Tu deviens perdre. Non, attends. Je n'arrête pas Pokémon Lune. J'ai juste décidé de faire comme mon frère et de faire deux vidéos, deux let's play en même temps. Bon, c'est parti. Sur quelle console que tu es? Sur Wii U. Merci de la précision. Alan, comment on appelle déjà un jeu qu'on fait en let's play sans l'avoir fait? Du blind. Voilà, du blind. Mais non, facile, toi, crois-moi. Ouais. Je vais lire au cas où. Non, tu ne lis pas, il y a du doublage. C'est pas la peine de lire. On voit bien. Moi, je préfère. Non, d'un kill tard. Ça va trop vite pour toi. Ah ouais. Mais laissez lire les sous-titres, c'est pas grave. Hurry! The pedal is to the metal, Mr. McDonald. Celui-là est son argent. What the Beagle Boys again? Take the stand between Scrooge McDuck and his 3 cubic acres of cash. They've got another thing coming. Alors Dania, attends, je vais te montrer un truc très sympa pour toi. Regarde, alors tu vois là, à gauche, il y a une map. Et ben sache que, en appuyant là, tu l'as en permanence sur le gamepad. C'est un des avantages de la version Wii U par rapport aux autres. On peut avoir la carte en perpétuelle vision. C'est sympa, comme ça permet de voir les points clés du niveau. J'adore les musiques de ce jeu personnellement. Utilisez le Sopogo pour vaincre vos ennemis pendant un saut, ça on l'a déjà lu. Alors dis-moi, en fait, le let's play, tu prévois comment? Niveau par niveau ou bien tu fais plusieurs niveaux en une seule vidéo? Ça dépendra de la durée, c'est ça? Je vais d'abord... Ah.
haut. Je pense d'abord à mon pognon puisque c'est ça que j'aime le plus. Voilà. Espèce de grippe. Qu'est-ce que j'ai fait? T'as eu alors, comment on dit? Tu t'es plaqué contre le mur et t'as appuyé sur Y. Voilà. Marcher jusqu'à un objet et maintenant appuyer vers l'avant, puis appuyer sur Y pour effectuer un swing de canne. Alors voilà, comme ça. Ah oui, j'avais fait, j'avais c'est ça que t'as fait. Ah, oh, c'est excellent ce truc. Alors, les graphismes, comment? Magnifique. Ouais, bon, moi, c'est surtout l'animation de 2D. Mais. Get away from him, you gluttonous goon! Sorry, Scroogey, not a chance! Espèce de goinfre! I'm starving! Ah, d'accord. Je crois que c'est celui-là, d'abord. Oh, excellent! LOL! Excellent! You saved me, Uncle Scrooge! I did. What are you hunting for? Et moi je vois, t'as toute la carte sur le gamepad, t'as quelque part. Ouais, voilà, avec les rochers ronds, il suffit de faire ça et ça se rend en diagonale. Je vais faire gaffe. Bon, pour ce niveau, tu peux te passer de la carte, hein. Ça va, et c'est qu'une ligne droite ce niveau. Mais attends, c'est ça, hein. Oh, monte. Alors, je me demande si je vais faire ce jeu sur ma chaîne. Un jeu, oui, quand même. Il est tellement bon. Il est excellent. Ah oh ouais, franchement, moi je l'adore. Je me demande même si après l'été, je vais pas y jouer par plaisir. Oh là là, ouais. Ah, flûte. Ah, tu peux le faire peut-être par là. Ouais. Attends, il y a peut-être un autre truc caché qui sait. Oh, trop tard. Ah, t'as dû le laisser dans sa position initiale d'abord. Attends, j'ai essayé. Alors, je fais vraiment pas. Putain de plafond. Alors attention, d'après toi, lequel, sur lequel il faut utiliser le rocher? À gauche. Donc, il faut faire où? Parfait. Je sens que j'ai pas une. Aïe! Bon, t'as de la chance d'être en facile, t'as perdu qu'un demi-cœur. Hold on, lad. I'll have your free in a jiffy. Not so fast, Victor. We're running things around here now. Cuss me, Chuck. One false move and I'm a roast duck. Aïe. You'll never beat us, Scrooge. Ouais, il me semblait un peu plat ce bouton. I'm gonna buy Ma a new hat. Ah. Eh, vas-y. What are you waiting for, Victor? Alors, je te garantis, t'aurais déjà perdu une vie, hein, en normal. Génial. Non, reste en passé pour l'instant. Mais t'arrêtes de penser à ton pognon. Non. Allez. D'accord. Et oui, je suis un peu le commentateur de cette partie, mec. On est bon football. Mais bon, Dark Universe 2 a beaucoup de chance. Elle a infini, donc elle peut mourir autant de fois qu'elle veut. Mm-hmm. C'est l'avantage du mode facile. Je sais pas pourquoi, mais j'en serais douté. Ouais, parce qu'en mode normal, t'as des.
Et c'est Game Over Infinity. Step away from me, fortune, you crook. Not this time, McDuck. Oh, you ain't getting the drop on this big old boy. Là, en fait, faut lui balader ce truc, voilà, comme ça. Voilà, elle a tout compris. Et ensuite, il fait pour un coup. Parfait, t'as compris le truc, maintenant, à toi de continuer avec ça. Mmh, yes. Et ça revient de la vie, c'est de la bouffe de jeu. Non, non, c'est bon. Ouais, ouais. Oh, attention. Je vais faire combien de fois ? Je sais plus, 5 ? 5 ou 6 ? Tu veux ? C'était ça ? Ouais ! Ouais, bon, ça c'était le boss le plus facile. Ouais, mais franchement, j'ai cru que j'allais y aller. Hein, Good riddance to Bad Beagles, I say. Now, why in the world was he interested in this old painting? Surely there are more valuable. Well, pluck me pin feathers. It looks like some kind of secret code. Voice! Voice! What did you find, Uncle Scrooge? Yeah, what is it? I'm not sure, but I know how to find it out. I'll feed it into my supercomputer and use Gyro's new crypto analysis program. Then we'll know what the Beagle Boys were after. Stand back, lads! Treasure map, lads. And no ordinary treasure by the look of things. Only Uncle Scrooge would call any kind of treasure ordinary. Look, one of the treasures is in the middle of the Amazon. And there's another one in Transylvania. And one buried 10 miles underground. Hey, wait a minute. Something's screwy. This last treasure can't be right. Yeah, there's no mountain on Earth that's that high. Well, according to the Junior Woodchuck's guidebook, to get there we'd have to take about 537 million steps straight up till we reach the moon. You mean the moon? It looks that way, lads. Well, what are we waiting for? That treasure's not going to discover itself. Mais c'est bon, alors ça fait 12 minutes, qu'est-ce que tu as envie de... Même 13 bientôt, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux t'arrêter là pour aujourd'hui ou tu veux faire un niveau maintenant? Ah bah je continue, allez. Allez. Je vais commencer par... Allez, je fais dans l'ordre, la nageuse. Et c'est parti mon kick. Get launchpad on the horn. I'm headed to the Amazon jungle to find the scepter of the Incan king. Je sais pas si c'est une bonne idée. La gada. Ah ouais ouais. Ouais, et c'est des. Et c'est deux. Ce sont deux gens qui ont vu le trésor de la lampe perdue qui vous disent ça. Ah oui. Ah la belle. Ah ouais, elle est mignonne. Enfin pas coque. Ouais ouais, elle est mignonne mais. Elle est hargneuse quand même, non? Et encore un. Là, je suis pas terrifiée parce que je suis pas face à une vraie guêpe. No problemo. Lift is one of my favorite principles of aerodynamics. Say, you got your radio, Mr. McD? Aye, of course I do. Great, then I'll be your eyes in the sky. Look, I'd be happy if you just keep your eyes on the sky for once. What an airhead. Now, the ancient Incan legends claim the king's scepter was locked away in a giant temple of the clouds, and it should be dead ahead. Gee, Mr. McD, I see. But no temple. You wouldn't launch pad. The legend says the temple was hidden away from all but King Manco Capquack himself. But there's bound to be a way to reveal it buried somewhere in this overgrown salad bowl. And I'm not leaving till I find it. Arrêtez de parler! Je vous jure! Comment t'as deviné que c'était exactement ça que je me disais? Ah ouais? Alors là, oui, garde la map, hein, je te reprends. Voilà. C'est quoi cette tête de mort là que je vois? Où ça? Là. Le boss! Ah, parfait! Bah oui, il y a un boss, qu'est-ce que tu croyais? Appuie sur le truc, voilà. Ah.
putain de gorille. À cause de lui, t'auras pas le coffre. Alors en fait, regarde bien la map pour voir où se situent ben, les objets clés. Ouais, là, c'est un peu... Ils sont allés d'abord au-dessus. Ah tiens, la pierre est réapparue. Tout ça pour un diamant. Oh, c'est pas vrai. Alors c'est quoi qu'on va faire pour aller en dessous là? Peut-être parce qu'il n'y a aucun moyen pour l'instant. Ça me paraît logique. Launchpad, I found an ancient coin depicting a nightingale. Hello! Oh, if you haven't stumbled across an adventure out there, have you, Mr. McNeil? I'm not even going to dignify that question with a response. À éviter, à tout prix. Ah, c'est pas par là qu'on est tombé par là-bas. Oui, t'as raison. Bon, les serpents, eux, ça va, c'est pas comme les plantes, tu peux leur sauter sur la tête, voilà. Ok. Another coin. And this one has an inscription of an eagle. Putain, je le fais comme une fiche. Lorraine, c'est meilleur. Je me demande si tu n'as pas un truc par là. Ouh, il y arrive. Tiens. Ben, de ce que je vois sur la carte, oui, il y a quelque chose. Eh, hey, tu viens, oui. Ben non, faut que tu y ailles. Ouais, mais comment je veux? Eh ben, en pogo, voilà. En pogo. Merde! Aïe 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 aïe. Attention, il y en a au plafond. Comment j'aurais pu faire là? Un tout petit coup. A coin bearing the image of the Queen's horse. Ah, it'll help us find the treasure for sure. How can you tell, boss? Never doubt the well-honed instincts of an experienced treasure hunter. If you say so, Mr. McDee. Bah en relâchant la touche Y un peu plus lentement. Comme ça. D'accord. Mais ça c'est quand même une technique assez difficile à maîtriser au début. Ouais. Crois moi. Ouais, je te crois là, je te crois. Gâteau oui. T'as eu. Bah t'as récupéré toute ta vie, voilà. Merde. Je vais en perdre la moitié. Ouais. Gâteau. Bah c'était censé pour l'araignée, tu dessinais par là en fait. Mais vu que tu l'as passé, ça ne servait à rien. Ouais. Oh oui. Ça représente... Oh le soleil. Lol. Là il n'y a plus qu'à remonter hein. Ça, c'est pour... Ah non! En fait, regarde vraiment bien la carte pour voir où sont les dernières pièces. Hein. En fait, disons, en fait, si tu tiens pour le jeu en difficile un jour, tu n'en auras plus. Mais tu... Well, where are the extra fuel canisters? Well, that's why I'm calling you, boss. I checked the glove compartment, but all I found was gloves. Oh, you'd best find those fuel canisters, for the next thing you'll be flying is a model airplane. Oh! Hey, okay. Last time I asked you for help. Is that a promise? Oh là là, sérieux? Ouais. Mmh. Oh,
T'es de Donkey Kong. Eh, hey, attention, maman va te tuer, d'accord. Comment je fais? Bah, y'a des liens aussi, attends. Attends, peut-être que ça. Tu as crevé. Ah, putain, merde. Et allez, le premier game over. Non, ça va. C'est pas punitif, hein, je l'ai dit en... Ah oui, pas game over, mais... Il y avait du gâteau ici. Ça va, c'est moins facile, c'est pas une petite punitif. Voilà. Found another one, and it depicts the ruling might of a spear. Launchpad, what was that? Nothing, boss. I'm sure nobody was using that tree anyway. Except maybe them. Sauve de plante. Non, là, y'a rien. Le bouclier de la légende de Zelda, ce serait cool, non? Le bouclier de Ilia? Oh ouais! Bon, bah maintenant il suffit de retourner vers la droite, hein. Il n'y a plus de pièce. Oh là là, mais c'est pas possible. Il me fait avoir comme un bleu, moi, celui-ci. Ouais, c'est clair. Ouh! Attends, bah y'a un. Allez, la Dark Gasson 2 se la joue PGM! Ou pas? Dark! Allez, joue la tout PGM encore! Allez, vas-y! Dark Nia PGM! Dark Nia, bah oui, PGM pour Poop Gameuse. Mais c'est une blague! Pour Poop Gameuse Master. Poop Gamer Master, ouais. C'est quoi? D'accord, là j'arrête pas de. Mais utilise le pogo! Mais ouais. Comment j'étais nul! Poop gamers ever! Poopest gamers ever! J'avais piqué une pizza! Non! Mais d'accord. Et parodies sont comme ça. Ah, it's fail time. It's fail time. Yeah. Attention, ceci est un copyright de Kaysoul. Non. Attention, ceci n'est pas un truc sous copyright, donc en fait on peut l'utiliser librement. Bah ouais. Oh, pourquoi vous? Purée. Même si je préfère la manière Kaysoul. Hein. Tu m'étonnes. It's fail time. Aha! This coin bears an image of the scales of justice. Just what I need to help me find the center. Sensei! Yeah. I have thought. Launchpad, why start now and spoil a perfect record? Oh! Well, I don't have all day. What was your thought? Come to think of it, I forgot. Launchpad, were you dropped on your head much as a child? All the time.
Ça, c'est ce qui s'appelle se jeter dans la gueule du loup, plutôt dans la gueule de la plante. Il s'inspire de Mario, fait pour faire ce jeu ou quoi? Come in, Launchpad. I found something. There's a carving of Mungo Cuckquack on this stone slab, and there's 8 circular notches around it. Sounds great. Does it tell us how to find the treasure? Well, I'm not sure what it tells us, but I'm certain it's an important clue. Bless me, bagpipes. These coins I found will fit perfectly into those notches. You come down here and I'll deal you a blow to the head. You're supposed to be keeping an eye out for trouble, remember? Right. Trouble's fun it is. Launchpad, what if the images on these coins symbolize the various tribes of Mungo Cuckquack's empire? Maybe if I surround him with them. Arrêtez de parler! No, it's not working. Surfers run! Maybe not. Oh. C'est quand même quelque chose que beaucoup ont reproché à ce remaster. Will you look at that? The ancient city of Mungo Cuckquack. And that beam of light. It must be pointing to the Temple of the Clouds. But how am I going to get across? Up here, Mr. McDee. Follow that beam of light. Mais toi, tu veux les diamants. Ouais. J'adore cette musique. Pour une fois qu'il est utile, lui. Oh my god. C'est vrai, parce que lui, il est pas très utile, quoi. Ouais. Mais c'est méchant! Oh, I did it! I found the legendary temple of Mungo Cuckquack! With a little help from your old pal, Launchpad McQuack! Oh, of course, Launchpad! I couldn't have done it without you! Now just hold on, and with a little luck, that scepter will be mine in no time. Ah bah faut monter. Il y a Emiliane. Oh putain. Mais pourquoi je suis si conne? Moi je l'ai vu. Je me dis c'est quoi ça? Bah parce que t'es une let's playeuse. Putain. Ok, je vais m'attirer les foudres de tous les let's players. Et même moi j'en suis là. Ça va. Oh, quelque chose. Alors en fait, pour ta gouverne, il y a un cœur caché quelque part, il y a un cœur de vie supplémentaire caché, mais je crois qu'il y a des dépassés. Je viens juste de m'en rappeler, je crois qu'il y a des passés, c'est un peu dommage. T'aurais pu avoir 4 cœurs au lieu de 3. Ah bah parce que tu peux pas y aller là en fait. C'est ce piège. It's pogo time. Avec le coffre. Merde. Bah non, c'est bon, tu peux encore atteindre. Espèce de vieillard. Bah oui, il est vieux, tu crois qu'il a quel âge, Picsou? Je sais pas, la 80aine. C'est pas juste que là, en fait. Now, where did you come from? Why, from je suis un esprit qui apparaît d'un seul coup, monsieur Picsou. Je suis un putain de super saiyan. T'es viré de la cuisine. Je prends ta chaîne. You know, Mr. McDonald, these giant stone obelisks would make wonderful souvenirs for the boys. Et c'est touché à ma chaîne. Je te coupe les cheveux. T'en chauve. Chauve? Mais je suis déjà presque là. Ah bah non mais... Bah alors je te vois.
Oh putain! Super étoile! Oh, c'est un peu ça, hein. Bah là, tu peux te permettre parce que t'es sur Wii, hein. La fortune ou la vie? Voilà, c'est pas une devinette, voilà, elle a trouvé la solution. Contrairement à Picsou lui-même. Picsou lui aurait réfléchi pendant des années en fait. Ah, déjà, est-ce qu'il est capable de réfléchir? Oui, encore en vrai. Ouais, c'est vrai que lui c'est pas Plagada alors. Oh putain. Non, oui, tu l'as raté le cœur de vie supplémentaire, c'est un peu dommage. Ah, il devait être dans la jungle. Je crois qu'il était quelque part dans la jungle, le cœur de vie supplémentaire. Bon, je vais appeler ça un réceptacle, c'est beaucoup plus court. Et ben... Ah ben zut, t'aurais dû utiliser le rocher. Ouais. T'es nul! Pardon. Je m'en fous! Scott a annoncé le prochain tournoi de prise. Une image sur le jeu de Scott. Non, je peux plus, mince. J'ai fait la prise. Et t'es morte comme une Lorraine. Vraiment, désolé les gens, mais c'est la première fois que je joue alors. Ah ouais, ça va, soyez indulgents. Et puis dites pas, moi je suis le meilleur du monde, moi au début je joue comme un dieu. Non, pas possible de jouer comme un dieu dès le début. Même moi qui suis fort. Ah, oh, 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 ah, ah, quoi que. Il y a quelque chose. Y'a pas de secret, y'a pas de secret. Ah non, il est là. Ouah, ouah, ça fait 4 heures. Ah, il était là, je... Ouais, mince. Non, c'est pas grave. De toute façon, bye bye le... Non, non, il est parti, hein. Oh. C'est un diamant, c'est un diamant fantôme. Ça disparaît comme comme un enchantement. Bah, c'est normal, c'est Disney, alors. Enchantement. Tu tiens ta carrière, j'espère. Alors, fais pas de blague aussi moisie. Oh, bah, je vais pas tenter. Oh, this was easier to find than a penny in a parking lot. Mouais. Mouais, c'est vrai. Oh oh. Catch me, kill. Oh oh, on n'est pas dans Pokémon. C'est bon, je me tais. Pourquoi tu dis ça? Bah, le Pokémon légendaire, oh oh. Ah, pff. Oh non, c'est vraiment cool ça. It's boss time. Je te préviens, moi, je fais que ça, que ça. Je me fais. Oui. Hein. Garde tes deux cœurs, hein. Je sais pas pourquoi, mais je me serais dit que tu aurais besoin de garder mes quatre cœurs. Ou mes deux cœurs. Mais, poule. Oh, oui. Oh, oui.
Deuxième. Ouais, deuxième. Il y avait les raptors. Hurry, Mr. McGee. This place is falling to pieces. No, I'm not leaving without that scepter. Get us out of here, Launchpad. Faudrait savoir, hein. Tu sors ou tu sors pas? Oh putain, on dirait presque Madagascar. I cannot believe we came all this way for nothing. What's the meaning of this? Outsider, our prophecies have long foretold that our ancient city would one day be returned to us. For hundreds of years we have waited, and at last that day has come. You mean you're not mad at me? Mad? Quite the contrary, feathered one. Is there anything we can do to repay you? Well, now that you mention it, I did come here looking for an ancient scepter. I didn't suppose... Does it look like this? It fell from the temple. Oh, they're climbing for nothing. Hey, Mr. McDee? Bless me, bagpipes, the scepter of the Incan King! It is yours. Take it and go in peace. After all, it was just the old king's back scratcher. Autrement dit, ce truc, c'est de la merde, en fait! Pour eux, en tout cas, hein. Ah, peut-être parce qu'en vrai, ça doit valoir une fortune. C'est quand même de l'or et un gros rubis! Mais bien sûr que ça vaut une fortune, ça va pas coûter un centime! À leurs yeux, peut-être si que si, mais bon, hein. À leurs yeux, mais chez nous. Tu deviens riche! Alors, je cherche à gagner de l'argent alors que je suis déjà riche. Oui. Je suis président de la République, en fait. Oh my god. Le clash. Oh my god. Oh là là, je vais te faire trucider par les républicains. Non, par les politiques. Ouais. Les politiques. Oh, vas-y, chérie. Oh. Comment j'ai clashé, là, je suis fière de moi. The scepter of the Incan King. I tell you, boys. There's something special about this treasure. Really, Uncle Scrooge? Yeah, it just looks like an old back scratcher to us. You boys need to learn some respect for the finer things in life. Now, if you've done having fun at your old uncle's expense, help me decide where we should go next. Eh ben, ça, ce sera pour la prochaine vidéo, pour la prochaine fois. Bah oui, ça fait quand même 36 minutes, enfin... 38, je crois. Ouais, 38. Oh, presque 40 minutes, c'est pas vrai. Ouais. Bon bah, on va s'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu, mettez un commentaire, partagez sur les réseaux sociaux et surtout, abonnez-vous à ma chaîne. Bon bah, c'était Zarkinia 102 et... RetroNex 31 en commentaire. Qui vous dit hasta la vista, les poulets. Ciao, ciao.